Bonjour à tous et bienvenue dans ma série de vidéos « Je crée une école ». Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel et je suis formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et à ce titre, je suis en train de créer un centre de formation artisanale, à mon sens, qui est situé à côté de Saint-Amand-Montrond dans le département du Cher. Les beaux jours commencent à arriver, en tout cas pour ce qui est de l'après-midi, et j'ai pour projet de terrasser la presqu'île que vous voyez derrière moi et que vous avez pu voir avec les images de mon drone. Je porte ce projet pour deux objectifs. Déjà le premier, je profite de ce mois de février avec la nature qui est encore en sommeil et encore quoique, parce que là on voit déjà que les arbres bourgeonnent, la sève elle monte, donc ça y est, c'est déjà parti. Mais bon, en tout cas pour ce qui est du sol, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça reste encore assez mort. Sinon là, dans 2 mois, ça y est, c'est reparti, il va y avoir des orties de partout. Donc c'est pour ça que je préfère m'en occuper maintenant. Donc comme je vous le disais, en clair, l'objectif, c'est de me faire un endroit ici assez sympa déjà pour cet été, parce que dans le mobilhome, je pense que ça va être un four. Et c'est vrai que comme j'en parlais l'autre fois avec un pote qui me demandait l'expérience que je vis dans ce mobilhome, et ma réponse fut la suivante: l'hiver, c'est un frigo, et l'été, je pense que ça va être un four. Donc de vous à moi, histoire d'être dans de bonnes conditions pour faire les travaux de la grange, je me dis que je serai bien heureux cet été de pouvoir venir me poser ici. Le deuxième objectif que j'ai à faire le terrassement de cette presqu'île, bien c'est parce que je m'imagine déjà recevoir des élèves ici, parce que c'est un endroit qui est quand même vraiment sympa et qui amène à la réflexion. Ce sera testé, mais je me dis vraiment que ça sera sympa. Pour mener à bien ce projet, j'ai utilisé un logiciel gratuit en ligne qui m'a permis de réaliser des plans. Donc maintenant, quand je parle de plans, j'ai pas forcément fait des plans au millimètre près, c'était pas forcément le but. Moi, le but, c'était de me donner déjà une vision globale de ce que ça pourrait donner une fois terrassé, une fois que l'herbe sera remise et une fois que des plantes ou des arbustes seront replantés. Tout en sachant que cette presqu'île peut être immergée par l'eau, parce que l'eau elle peut monter à un certain niveau, c'est pour ça que je vais pas non plus mettre des plantes ou des géraniums, enfin c'est pas le but, non vraiment rester dans le cadre de la nature, dans le cadre de la forêt, avec des plants qui sont déjà présents comme le buis par exemple, et ça permettra aux plantes de s'adapter beaucoup plus facilement aux différentes crues, même si de vous à moi elles sont quand même pas très élevées parce qu'il y a un barrage plus haut. Maintenant je prends la caméra pour vous montrer. Dans un premier temps, je vais déjà tirer un cordeau ici pour me donner la délimitation avec le chemin. Ensuite, je vais commencer à réfléchir pour voir comment je vais découper un petit peu cette butte-là. Alors, sachant que c'est une terre très sableuse, hein, comme vous pouvez le voir, regardez, voilà la terre. Donc ça va être, à mon avis, assez facile à terrasser. Il n'y a pas non plus énorme, il doit y avoir 40 mètres. Carré, pardon. Donc je vais déjà commencer par ça, par tirer le fil, et ensuite j'ai commencé à terrasser pour amener et faire une terrasse à peu près plate. C'est parti. Donc à titre d'info, quand vous faites un chemin comme ça, il faut au moins garder 3 mètres pour l'espace d'un véhicule. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. À savoir que là, dans le contexte dans lequel je suis, c'est vrai qu'on est dans la forêt c'est la nature, il n'y a rien de droit, il faut être clair. Donc là, je fais vraiment au mieux, mais ça m'a l'air pas mal. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de casser la pente pour faire un plat. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, je vais essayer de mettre... comme ça, peut-être que vous allez comprendre. On voit bien qu'il y a une pente. Et donc l'idée, c'est de faire un plat. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais faire un petit peu comme un semblant de haie avec du buis que j'ai récupéré dans la forêt. Ici, comme ça, ça devrait être sympa. Bon, là, faut être clair, je vais taper dedans, on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par un bout, et puis je pense que ça va prendre forme au fur et à mesure. On verra bien.
Allez, c'est parti. Ouais, donc là l'idée c'est de mettre quelques cailloux pour boucher le gros trou qu'il y a ici. Ça évitera de ramener trop de terre et puis surtout ça va consolider un petit peu. Je vous explique, donc là je suis en train de tirer mon niveau et comme vous le voyez, ce qui est logique, c'est qu'en fait il faut que je descende la pente pour pouvoir rattraper un certain niveau. Et c'est pour ça que l'idée, on pourrait très bien par exemple mettre un mur en pierre voilà quoi, pour renforcer au niveau de la terre, hein, pour éviter que ça s'éboule. Mais plutôt que de faire ça, j'ai plutôt misé sur la végétation et c'est pour ça que je vais planter du buis. Comme ça, après, avec le système d'enracinement, j'ose imaginer que ça va quand même maintenir. Et donc, ça va pousser, hein. On voit bien, regardez, tout le buis qu'il y a ici. C'est juste énorme, il y en a partout dans cette forêt. Donc, je vais mettre ça là, tout le long, et ça devrait maintenir la terre, la butte là. Voilà, donc je vais arrêter pour ce soir. C'est déjà pas mal, là, je sais pas quelle heure il est, mais bon... J'avance petit à petit, méthode des petits pas, Dixit, ma vidéo que j'avais fait une époque sur la méthode des petits pas. Je vous mets la vignette juste au-dessus, ça peut toujours être intéressant pour vous. Donc on se retrouve demain pour continuer l'aventure. Jour 2, c'est reparti. Bon, aujourd'hui je vais me faire une petite session tranquille, je pense 2 heures, quelque chose comme ça. Parce que vu que le terrassement c'est quand même assez physique, hein, donc puis que surtout que je suis pas du métier. Donc je préfère, comme je vous le disais, utiliser la méthode des petits pas. C'est parti! Bon bah ça commence à ressembler à ce que je veux, c'est pas mal. Je vais arrêter pour aujourd'hui, mais ouais, le résultat est quand même vraiment sympa. Maintenant, il faut que je prenne un petit peu de recul, que je rêve un petit peu devant pour voir ce que ça pourrait donner pour la suite. On se retrouve pour la prochaine journée. On continue la mission et regardez ce qui s'est passé durant mon absence. Une taupe qui a frayé son chemin. C'est parti, donc là on va casser la butte ici, vous n'allez rien faire, vous regardez tranquillement là dans votre fauteuil peut-être. Donc je vais casser la butte là ici pour terminer, hop, jusqu'au gros caillou qu'il y a là. Et je vais terminer du coup de ramener cette terrasse à plat. Allez go!
Bon, on voit que ça commence à être pas mal. Là, j'ai fini de casser la butte. En réalité, je vous montre. Là, ça y est, j'ai ma terrasse. Et maintenant, le but, ça va être de ramener à peu près à plat. Parce que comme on peut le voir un petit peu, on a un léger dénivelé. Bon, cela dit, on voit que le dénivelé va vers la rivière, c'est normal. Et en même temps, c'est peut-être pas plus mal parce que ça permet à l'eau de s'écouler. Allez, je continue maintenant l'objectif, c'est de ramener ça à peu près à plat. Réellement, c'était du taf, mais le plus gros est fait. Alors quand je dis le plus gros, c'est déjà la partie terrasse que je vais vous montrer. Bon, j'ai une petite pente légère qui va vers la rivière, mais ça c'est naturel, donc je pense que c'est pas mal pour les écoulements d'eau. Mais relativement, quand je marche dessus, je sens quand même que c'est bien plat. Et franchement, je suis content du résultat, je vous montre ça. Bon, maintenant, prochaine étape, je garde le suspense pour demain. On est déjà demain et regardez ce beau temps que l'on a. C'est vraiment le top. Bon, aujourd'hui, je vous montre la mission du jour. L'objectif est d'enlever cette grosse pierre qui est au sol avec cet outil qui s'appelle baramine. Et l'idée, c'est d'avoir au moins un passage qui permette de se promener sans pour autant se péter une cheville. Donc je ne vais pas ramener le terrain droit parce que tout de même ce serait peine perdue parce que la rivière, quand elle est en crue, elle repasse, mais au moins déjà de faire en sorte de pouvoir circuler. Enfin, je vais m'occuper là de ce talus que je vais gratter un petit peu au râteau, j'ai enlevé les mauvaises herbes. Puis là-bas, je vais faire un petit peu pareil et ici aussi. Donc j'ai déjà de quoi bien m'occuper, mais bon, le beau temps est avec moi. C'est parti! Parce que je me suis demandé s'il n'y avait pas moyen de faire une marche avec, mais non, ça rentrait pas bien dans le décor, du coup je l'ai remis à l'eau. Je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de faire de muscles. Bon allez, ça me paraît pas mal. Je passe à la suite. Maintenant,
Je vais nettoyer un petit peu les alentours, ce que je vous ai montré juste avant. Vous allez voir, ça va être magnifique. Bon bah tu comprends pourquoi il y a des machines aujourd'hui pour faire ça. Parce que franchement, je ferais pas 400 mètres carrés à la main. Ouh, ça mince le dos quand même. Bon alors, je fais un petit peu le bilan avec vous, je vous montre. Alors comme vous pouvez le voir, là ici déjà, j'ai regratté, j'ai enlevé un maximum de mauvaises herbes. Bon à savoir une chose, petite note. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de naturel avec l'endroit. Donc, le but, c'est pas d'avoir un gazon anglais. Il faut bien être d'accord. Et de plus, c'était beaucoup d'orties. Et ce qui est bien, c'est que les orties, avec une repousse, une fois que vous les tondez, en général, ça revient pas comme ça. Ça aime pas la tonte, les orties. Donc, ça, c'est une chose. Donc, moi, je pense que même s'il reste pas mal de mauvaises herbes, et encore, je n'ai enlevé pas mal, je pense que ce ne sera pas bien grave une fois qu'il y aura de l'herbe de replanter. Alors ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé la terre parce que je vais faire un parterre, donc pas de fleurs. Ici, je vous montrerai, mais je vais mettre un arbuste, un pin pour être plus exact. Ici, peut-être pas tout de suite, mais je mettrai un érable. Et donc, c'est pour ça que je prépare la terre, même si, pareil, je vais engazonner. Alors ensuite, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la chenille que vous voyez ici en forme de paille, c'est une déco. Non, je plaisante. En fait, ici, comme vous pouvez le voir, je prépare un feu pour la prochaine fois. Ce sera le test parce que j'ai pour but de faire une, on pourrait dire comme une cheminée centrale, ici. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Là, il y a l'ombre. Voilà, ici. Et je vais faire quelque chose de sympa en pierre. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais déjà tester. Et on le testera ensemble. Mais normalement, bon, c'est quand même assez clairsemé au-dessus de nous. Tiens, je vous montre. Bon, avec le soleil, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais... Hop, voilà. Donc ce sera l'emplacement du feu. Bon, l'idée, c'est pas de faire un feu de la Saint-Jean avec 10 mètres de haut, hein, non, non. Mais suffisamment pour s'éclairer. Voilà, donc ça a l'air pas mal. J'ai envie de vous dire, on va se laisser sur ces belles images. Et je vous dis à demain, enfin dans le même vlog. On se retrouve aujourd'hui pour ce qui, à mon sens, devrait être la dernière journée, à vous partager en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la grosse parka parce que il fait vraiment frais. On doit avoir 3 degrés là. Il caille, mais là, le fait de creuser, je peux vous dire que ça va me réchauffer. Allez, c'est parti.
fait, parfois ça se passe comme ça. Tu vois un petit caillou, tu te dis oh, c'est bon, tranquille. Tu creuses, puis après tu t'aperçois que c'est un menhir. Et voilà, donc je pense que ce que je voulais vous partager, c'est fait. Je vais terminer sur des images, que vous ayez une vision globale de l'avant, comme ça après je vous partagerai l'après. Donc je referai une vidéo, je pense fin mars, début avril, une fois que tout sera planté, que le gazon aura poussé. Et puis comme ça, vous pourrez voir le résultat. Mais en tout cas, je suis bien content, parce que ça y est, le fût a l'air bien placé en tout cas. C'est pas trop craignos ici, franchement... c'est vraiment bien, puis comme je disais, hein, le but c'est surtout d'avoir un peu de lumière le soir, hein. C'est pas de faire des feux de la Saint-Jean, parce que si je veux faire un feu de la Saint-Jean, il y a un pré là-bas, donc c'est pas le problème. Bon, en tout cas, je vous laisse sur des belles images, voilà du lieu, et puis n'oubliez pas, hein, que toute évolution provient d'une action. Ciao.